Je m'appelle Oleg, je suis Oleg Escalde de Dafis sur GitHub et aussi sur Twitter, mais c'est une pratique. Je travaille chez Sphere, je suis venu par compte. Je vais parler un peu de JavaScript parce que c'est quelque chose dont j'ai pu m'intimider. Et donc le sujet de mon talk, c'est ASMX Coverage. C'est un outil que, sur lequel je travaille depuis quelques mois déjà, en tant que. Et c'est assez cool, je pense. J'espère. Qu'est-ce que c'est ASMX Coverage en fait? C'est un outil par les devs, pour les devs. C'est un outil de mesure de qualité de code, plutôt un ensemble d'outils. Ce qui est mesure, notamment, c'est la couverture de code source. Code source JavaScript ou tout ce qui est JavaScript, c'est plus, tout ce qui est JavaScript modéré. Si, par exemple, vous ou vos collègues ne faites pas d'accord de code, je vous invite vraiment à le faire, parce que vraiment, c'est assez. On écrit les tests unitaires, mais des fois on pense oui, c'est le test unitaire, il est parfait. Mais quand on regarde sur le coverage, en fait, on a oublié ici un if, ici un else, et en tout cas, le coverage devient un peu. Ça nous montre très rapidement en fait, les petits défauts et les oublis dans notre code. Et le projet, en fait, c'est très important pour le projet de toute façon, parce que je pense que le coverage, c'est la première mesure de la qualité de code après les tests unitaires. Mon job ici, c'est de fournir un outil qui est facile à utiliser. Parce que pour ne pas avoir d'excuses, le coverage c'est trop difficile, donc je ne veux pas le faire. Comment ça marche du point de vue d'utilisateur? C'est très simple. Vous utilisez votre framework de test de base, que ce soit ce que vous voulez, genre vous avez Mocha ou Tape ou Ava par exemple, dans le monde JavaScript. Vous utilisez l'API Require et vous passez le Snake Coverage comme argument. C'est tout, il n'y a rien à faire. Après, vous avez votre enveloppe de fichiers de test. Ce que ça va faire, ça va lancer des tests et ça va générer les fichiers de coverage, coverage.json, dans le répertoire de lancement. C'est peut-être pas vraiment intéressant, mais pour ça, il y a un fichier de configuration, il est très petit, il n'y a rien de spécial, qui vous permet de formater le output de coverage sous les différents formats. Et ce qui est avantageux ici, c'est que vous pouvez être hop formateur. Ce n'est pas comme à Istanbul, par exemple, où c'est tout qui est bandé dans la même librairie. Techniquement, vous pouvez faire votre propre formateur et output les résultats dans votre propre format. Comment ça marche du point de vue de l'outil? C'est un peu plus compliqué. Mais c'est beaucoup plus intéressant aussi. Imaginons qu'on a le code comme ça. Quand on se dit que c'est égal 42, pourquoi pas? Donc on va passer à l'étape qui s'appelle l'instrumentation. Et ça, là, il y a tout ce qui est le plus intéressant là-dedans. L'instrumentation, il va modifier notre code. Dans le cas de Snake Coverage, c'est fait avec transformer en Babel. Il va le transformer et rajouter des choses bizarres dans votre code. Votre code deviendra énorme avec le prélude et plein de choses à la fin de l'année. Après, on va passer à l'exécution de ce code. On va récupérer un objet qui contient toute l'information de couverture. Après, on va passer à le formatage et à sortir quelque chose qui est lisible par un utilisateur final. Ça peut être le output dans la console, ça peut être un rapport HTML. Donc, la partie la plus intéressante ici, c'est l'instrumentation. Qu'est-ce que c'est en fait l'instrumentation et c'est quoi ces INCR à l'intérieur de mon code et comment ça marche techniquement? Donc en fait, il n'y a rien de vraiment compliqué dans l'instrumentation, parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire ce projet, je me disais « Ouais, instrumentation, c'est quoi ça ? Je ne comprends absolument rien. » Mais en fait, c'est très simple, c'est juste une fonction d'identité, elle prend un ID et une value, elle retourne la même value, et comme un side effect, elle incrémente le compteur de location associé à l'ID. Donc, quand 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4, la fonction où un endroit a été accepté 4 fois. Parfait. Et après, l'utilisation dans le cas de notre code que l'on a déjà vu, c'est juste INC 0, 42, 0, c'est l'int. 42, c'est l'int. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le code? Comment est-ce qu'on le fait? D'abord, déjà, il faut qu'on comprenne c'est quoi, qu'est-ce que c'est, en fait, comment il est structuré le JavaScript. Donc, on voit ici qu'on a déjà un statement qu'on voudrait instrumenter, et puis à l'intérieur, il y a aussi une expression, qui est numérique littérale, dans un babylon. Et du coup, pour l'instrumenter, on rajoute la fonction d'incrémentation juste devant la statement, parce qu'on ne peut pas le passer comme value, parce que ça ne fait pas sens.
Et la deuxième, c'est qu'on peut grimper l'expression à l'intérieur d'une fonction, donc du coup, on peut récupérer la valeur. Et incrémenter le 1, c'est le ID 1, vu que c'est le deuxième élément qu'on trouve dans notre fichier. Donc, je vais vous montrer très rapidement en fait, un peu de code, j'espère que ça va bien marcher. Ce qu'on voit ici, on voit ici le input de notre code, le notre code original, et ici c'est l'output. Donc là, je suis dans un outil super qui s'appelle AST Explorer, qui nous permet de voir vraiment le source, en fait, comment Babel fait la transformation. Donc ce qu'on veut faire, on veut remplacer notre expression par une autre fonction d'instrumentation. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va visiter une expression. Et cette expression, dans cette expression, on veut la remplacer. On veut la remplacer avec notre fonction. Et ça, c'est un call expression. D'accord ? À la call expression, il faut lui donner un nom. C'est un identifier. Et on va lui donner un nom, un int, comme on l'avait dit avant. Donc, après, on va passer quelques arguments à cette fonction. Donc le premier, ce sera le ID. Donc c'est un numérique létal. Ça sera 0 dans ce cas-là. Et on va aussi passer le node original. Mais quelle erreur, Max, mon call stack side exceed, on a un loop infini quelque part. Mais en fait, c'est parce qu'on crée une expression, puis on remplace cette expression par notre expression. Donc du coup, il pense, oui, genre, je dois le faire un million de fois, donc du coup, il ne comprend pas. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est marquer les nodes qu'on a visités. Donc par exemple, if on a déjà visité, si on a déjà visité ce node, alors on ne fait rien du tout. On se connaît pas. Et après, on va remplacer toutes les expressions là-dedans, on va les marquer. Comme visiter. Et on va marquer pas mal de choses. Parce qu'on a fait pas mal d'expressions ici. Donc l'identifier, c'est aussi une expression. Le numérique litre, c'est aussi une expression, comme le 42. On va remplacer. Et voilà le node original, qui est 42. Et voilà le résultat. Constix int 0 42. En fait, techniquement, c'est comme ça que ça se passe en fait, dans le Babel. Il n'y a rien de magique là-dedans. Même si vous ne voulez pas utiliser de USNext Coverage, sachez que Babel, c'est génial. Franchement, vous pouvez faire tellement de choses, ça vous donne tellement de possibilités que. Waouh! Allez-y! Petit démo. Je pense que je n'aurai pas le temps pour faire la démo complète, mais je vais juste montrer quelques exemples de rapport en fait, que SNES Coverage génère. Un rapport très simple qui vous sort dans la console. Vous avez, à peu près comme dans Istanbul et comme dans les autres outils de coverage, vous avez un branch par le state, un branch function et line. Ça vous donne le coverage par global ou par fichier, si vous en avez besoin. Ça sort aussi un fichier HTML qui n'est pas, contrairement à Istanbul, c'est un fichier, c'est une vraie application. Donc c'est un seul fichier HTML où tout est là-dedans. Donc du coup, vous avez la possibilité de faire des choses. Par exemple, vous pouvez chercher en fichier ou parmi vos fichiers. Ce qui n'est pas vraiment possible dans le reporter Istanbul qui est utilisé par la plupart de la plupart aujourd'hui. Vous avez le output dans le des fichiers, à peu près classique, aujourd'hui classique. Donc vous avez le nombre de lignes. Vous avez les lignes et combien de fois chaque ligne a été exécutée, par exemple. Et vous pouvez bien évidemment chercher, ça utilise Fuzzy Search, le même que dans Atom, l'IDE. Et franchement, ça c'est cool, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple à utiliser que d'autres outils, j'espère. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans le projet. Ce qui me plaît le plus ici, c'est les plugins pour les DE. J'aimerais afficher le coverage directement dans un IDE. Ce serait vraiment cool. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font aujourd'hui. Il y a aussi lié le nombre de tests avec certains coverages. C'est quelque chose qui est en cours. Et aussi le support pour TypeScript et CoffeeScript. Si quelqu'un sait le faire, parlez avec moi. Et bien sûr, l'affichage, ça serait cool d'apporter un peu de data visualisation dans le center parce que regarder juste ça toute la journée, c'est un peu.
est-ce que vous êtes doué à utiliser ça aujourd'hui? Je ne suis pas certain, parce que c'est pas vraiment prêt. Je suis tout seul sur le projet depuis quelques mois, mais ça avance très peu. Mais c'est utilisé chez Mythic. Mythic, ils ont un gros projet de refacto de leur appli, le front. C'est utilisé en prod. Et le Snake Coverage, j'utilise le Snake Coverage. Bon. C'est le coverage de l'outil de Coverage. Je vous ai mis quelques liens ici que vous pouvez retrouver sur cette, en fait, dans les slides. Snake-coverage.com, vous pouvez visiter, c'est cool. Et si vous avez des questions, je suis prêt là. Tu veux dire le source map, tu peux avec ou pas du tout? Le source map, techniquement, comment ça marche, c'est que c'est un plugin Babel. Du coup, je peux générer les sources maps d'abord, puis ça passe dans le pipeline de Babel, et tu auras les sources maps à la fin. Mais du coup, techniquement, le Snake Scratch ne s'occupe pas de ce genre de choses. C'est la même pipeline, tu peux le générer. Mais si tu les génères avant, ils ne sont pas complètement cassés, du coup, parce que ça ne référence pas les mêmes domaines. C'est à peu près pareil. En fait, c'est un sujet sensible. Mais techniquement, il n'y a rien de... c'est sensible parce que je n'ai pas eu le temps vraiment de rechercher le sujet. Mais techniquement, il n'y a rien qui t'empêche. C'est n'importe quel autre plugin Babel. Tu plugs par exemple l'ES 2015 qui transforme les const en var. C'est le même fonctionnement. Donc du coup, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il y a quelques cas où ça throw une erreur dans le code, dans les tests. Des fois, tu me retrouves dans le code instrumenté, mais je n'ai pas encore franchi vraiment sur ce sujet. Mais si tu as une idée, c'est pareil, non? Pourquoi tu as un nouveau projet comme ça, déjà, essayer de corriger les outils? Parce que, pour si j'ai compris, le truc qu'on apprend, vraiment, c'était les portes qui sont un peu plus sympas que les autres. Donc là, tout à fait. En fait, il y a trois choses. La première chose, le projet a commencé parce que Babel a passé de la version 5 à la version Babel 6. Et du coup, on voulait migrer, mais tout était cassé. Donc du coup, Istanbul, il fonctionnait plus. On voulait mettre Sparta là-dessus, que la personne, il a dit, je veux plus le supporter. La personne qui fait Istanbul, il dit, je sais pas, il y a une version 1 qui arrive, je sais pas quand. Et du coup, on avait besoin de quelque chose maintenant. Et du coup, ça a commencé. Après, l'avantage de Snake Coverage, c'est que ça couvre beaucoup plus de choses que Istanbul, par exemple. Parce que dans Istanbul, si vous avez un objet avec plein de choses là-dedans, Istanbul est considéré comme une expression. Là, dans Snake Coverage, je rentre dans l'objet, je peux dire que cette fonction-là, elle est exécutée, là, elle est à cette ligne-là. Si tu throw en plein milieu de l'objet, tu verras que le reste de l'objet n'est pas couvert. C'est assez cool. Et puis, dans Istanbul aussi, le problème, c'est que tout est là-dedans. En fait, si je veux créer mon propre formateur, je n'ai pas vraiment de possibilité. Il y aurait fait un outil énorme, changer beaucoup de choses dans un outil qui est utilisé par beaucoup de gens. C'est très difficile. Je pense que c'est juste plus simple de commencer. En fait, c'est une autre idée. En plus, ce projet, il est dérivé d'une autre idée, donc il y a Prior Art. C'est un projet qui s'appelle Adana. Fait par une autre personne, donc du coup j'ai pris son code, j'ai pu réfactorer et du coup c'est devenu le Snake Coverage. Parce que la personne ne voulait pas s'occuper, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent faire ça. Voilà. Donc il y a beaucoup de raisons. Mais après, si je rajoute un peu de compétition dans le marché, ça serait cool. Peut-être le mec de l'Estambou, il dit « Ah oui, il y a quelqu'un qui fait Snake Coverage, donc je vais peut-être réfactorer mon Snake. » Ça fait combien de temps que tu as commencé? Babel 6, ça date de quand? L'année dernière, décembre. Babel 6 plus quelques mois, je sais pas. En fait, je n'ai pas bossé tout le temps là-dessus. J'ai commencé l'année dernière, je pense, j'ai fait un tout petit peu. Et j'ai continué cette année parce que je veux vraiment sortir un projet un peu plus sexy et complet. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait à faire que les autres ne font pas et je pense qu'il y a de faire pas mal de choses à mettre. C'est quoi qui te manque pour avoir une version stable en fait? Pardon? C'est quoi qui te manque pour avoir une version stable? Bon. C'est de
Parce que si c'est déjà utilisé sur le projet. C'est déjà utilisé, mais je dirais même plus que c'est une version précédente qui est utilisée dans un gros projet. Je pense qu'il faut. En fait, je voulais stabiliser, vraiment, je voulais stabiliser l'API. Je voulais rajouter un peu de tests unitaires dans un logiciel qui fait des tests unitaires. Donc, si j'ai une couverture de 30%, c'est pas ouf. Mon idée, c'est d'avancer petit à petit, tous les jours. Et je pense que je vais sortir quelque chose de plus ou moins stable d'ici un mois. En fait, tu peux l'utiliser aujourd'hui, mais c'est, la documentation, ça manque des choses, il manque des choses dedans, c'est pas clair. Des fois, tu lances, c'est bien, on verra. Mais en règle générale, c'est plutôt stable. Je dirais pas que ça va détruire ton ordinateur. Question.